Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. La personne de votre cœur à gauche, votre lien au milieu et vous à droite. Donc sentimental, je vais zoomer au niveau de la situation sentimentale. Je prends ce magnifique oracle. Message carte. Aujourd'hui, c'est juste le message de carte. Il n'y a pas de message écrit du jour, comme toujours. Alors, la personne de votre cœur, elle a un coup de foudre. Elle a un coup de foudre. Elle a un coup de foudre. C'est un coup de foudre qui n'est pas dit sur votre lien entre vous et la personne de votre cœur. C'est quelque chose que vous taisez. Hein. Vous avez un gros coup de cœur, on le tait. C'est au plus profond de soi. Peut-être vous le dites pas. C'est très très précieux, très caché au plus profond de vous. Mais vous avez eu ou alors vous allez avoir un immense coup de foudre. Hein. Vous aussi, vous avez un immense coup de foudre pour la personne de votre cœur. Donc je zoome au niveau du sentimental, c'est du général, vous faites bien preuve de discernement. Alors, c'est un grand oui, c'est un grand oui, hein. Vous avez un immense coup de cœur, un immense coup de foudre pour la personne de votre cœur. Vous avez un immense coup de foudre, un immense coup de foudre pour la personne de votre cœur. Actuellement, il y a un engagement qui ne... La personne de votre cœur soit peut-être bloquée dans un engagement ou pas du tout est bloquée, soit bloquée dans un engagement ou alors bloquée pour s'engager avec vous. Mais cette personne, elle est bloquée, mais de toute façon, qu'elle soit bloquée dans un engagement ou qu'elle ne soit pas bloquée dans un engagement, cette personne a eu un immense coup de cœur et voudrait ravoir un coup de cœur. Ravoir un coup de cœur, avoir un lien avec vous, un lien, un rapprochement avec vous qui va vous rendre autant heureux l'un que l'autre. Se rapprocher de vous aussi pour se dire des choses qu'on ne s'est jamais dit. Vous, vous savez que vous avez un lien avec la personne de votre cœur, un lien d'âme-sœur. Alors, je le redis. Je ne sais plus si je l'ai dit, c'est du général. Vous faites bien preuve de discernement. Je tiens à vous remercier pour toute votre présence. Participation sur la chaîne, peu importe quelle qu'elle soit. Merci, merci, merci. Et on y va. La personne de votre cœur va prendre... va se décider, va faire le choix. D'être que vous soyez heureux l'un et l'autre, va faire le choix de se libérer soit d'un engagement, se libérer, se rapprocher de vous aussi, se rapprocher, se libérer, peut-être se déplacer un petit peu plus proche de vous. Pour que vous puissiez vous revoir, ravoir un coup de foudre. Vous, il y a un miroir magnétique au-dessus de vous. Vous êtes très magnétique. Vous attirez énormément cette personne. Cette personne vous attire énormément dans ce lien d'âme-sœur. Vous allez avoir une fin heureuse et vous allez revivre un coup de foudre. Revivre un coup de foudre. La personne de votre cœur peut être bloquée dans un engagement, ou alors pas dans un engagement, mais réfléchit à un engagement avec vous. Elle va prendre une décision. Si elle est bloquée dans un engagement, elle va prendre une décision. Si elle n'est pas bloquée dans un engagement, elle va aussi prendre une décision, la décision de se manifester à vous. Dans tous les cas, pour moi, cette personne va se manifester à vous. Là, pour l'instant, c'est des choses qui ne sont pas dites, mais c'est au plus profond de vous, c'est bouillonnant. Hein. On s'aime puissamment fort, et on a un coup de foudre. Et on veut revivre le coup de foudre. Le coup de foudre, un coup de foudre que vous allez revivre sur votre lien, qui va vous rapporter de la joie, vous allez avoir beaucoup de bonheur. Il y a des choses aussi qui vont se libérer, qui se libèrent sur votre lien. Peut-être que la personne de votre cœur va pouvoir se libérer. Elle peut avoir des disputes, hein.
Si c'est dans un engagement, cette personne peut avoir des disputes et elle va se libérer des disputes. Ça peut être des disputes famille, belle famille. Elle est très protégée de tout ça, des disputes, des conflits. Alors ça peut être aussi juste des conflits qu'elle se met elle-même, hein. Qu'elle peut se mettre, voilà, en conflit. Sur le lien, ce qui va se libérer, soit l'un, soit l'autre, c'est peut-être quelque chose qui va se libérer sur la situation de la personne de votre cœur. C'est une rentrée financière peut-être pour se libérer une bonne fois pour toutes des disputes. Ça peut être un déménagement, ça peut être une rentrée financière ou alors quelque chose qui va s'arrêter. Quelque chose qui... Une justice divine qui peut faire tout arrêter d'un seul coup pour que la personne de votre cœur puisse sortir de dispute, d'un engagement, s'il y a un blocage, parce que cette personne est très protégée, qu'elle puisse prendre des décisions. Ensuite, elle va avoir du financier. Il y a du financier qui arrive pour un déménagement avec vous, pour un épanouissement. Et vous tournez une page sur le passé. Vous avez peut-être eu un surmenage. Ou alors vous ressentez le surmenage de la personne de votre cœur. Je vois un appel qui va arriver à vous, qui va vous aider à sortir d'un surmenage. Vous aussi, vous allez avoir un appel avec une rentrée financière pour vous sortir d'un surmenage pour moi et vous libérer peut-être d'un surmenage pro-financier bancaire. Et vous allez tourner une page sur le passé, hein. Alors, donc la personne de votre cœur est très... vous allez faire la fête, voyez, vous allez faire la fête. Il y a une bonne nouvelle, il y a une justice divine. Si cette personne est bloquée dans un engagement, famille, belle famille, dispute, protection, il va y avoir une justice divine, un appui des cieux qui va faire protéger encore plus la personne de votre cœur. Et pour moi, cette personne va sortir de tout cela. Va pouvoir avoir un coup de foudre avec vous. Va pouvoir fêter des choses avec vous aussi, hein. La personne de votre cœur peut avoir les cheveux clairs, mais si ça vous parle aussi avec les cheveux foncés, c'est possible. Tout s'arrête, hein. Il y a une justice divine pour faire tout arrêter, les disputes. Ça va s'arrêter net, hein. C'est un gros stop, c'est une immense fin. Et tout va se réchauffer dans la vie avec vous. Après cette grande fin, la personne de votre cœur va pouvoir dans la foulée se rapprocher de vous. Voyez, se rapprocher et vous dire tout son amour. Il va y avoir des choses très libérantes et des... il va y avoir aussi quelque chose de passionnant, professionnel pour la personne de votre cœur. Ça peut être un tout nouveau projet que cette personne va créer, qui va être très passionnant pour cette personne. Qui va être très passionnant et qui sera très très bon pour son avenir. Très fertile, très prospère, très riche, très fécond aussi. Voilà, voilà tout ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui. C'est un réel plaisir, bonheur pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur la vidéo, j'adore vous lire. À vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc. etc. À bientôt. Très belle journée.